The French establishment is nowadays shaken by the Dieudonné phenomenon. Who is Dieudonné and where does he come from? You can speak about his earlier. Yes, Dieudonné has become, how do you say, in French we say, well, we can say a pain in the ass of the system. I mean, it's terrible. He was in the 90s, he was a very successful humorist. Comedian, yes. A comedian. He was very engaged in the politics. He was a candidate in a city called Dreux against the National Front. And he was really anti-racist. And he worked with a Jew, Elie Semoun. They worked together. It was a part. Dans la résidence, vous êtes un peu trop nombreux. Alors, je sais pas, c'est un champ de coton ou quoi dans le quartier. Je sais pas, je veux pas le savoir. Parce que déjà qu'on a le bruit et les odeurs, enfin, ça marche les allocations, ça paye les bananes. Ah, pas je me comprends. On ne peut pas dire ça, Cohen. Hein. Ce que je comprends, moi, Cohen, c'est qu'en 45, les Boches, ils auraient pu finir le boulot, Cohen. Hein. Quoi? Qu'est-ce que je te dis? Vas-y, répète ce que tu as dit. Ah, tu veux que je répète, Cohen? Hein. Ah, bah, on a fait nous guerre 45, ah, bah, on a dernier boulot, mec, ah ouais. Hé, hey, Bokassa, tes chimpanzés, là, qui courent partout dans la résidence, ils sont numérotés, non? Parce que c'est pas le plus loin de moi, enfin, je me comprends. Vendredi, on organise un safari avec les voisins. Et puis la pirogue, là, que tu gares en bas du parking. Va falloir la mettre ailleurs, on n'est pas en Afrique ici, enfin, je me comprends. Il faut pas s'énerver comme ça, quoi, il y a pas marqué palestinien, là, quoi, hein. Et puis c'est pas dimanche, quoi, hein. T'as pas mis la galette et les guirlandes, hein, quoi, hein. And the problem, I mean, the problem with Dieudonné began in the year 2000 or 2001. He thought, well, because his father is from Cameroon, and he wanted to make a film about slavery. Because he said, well, I mean, in France, slavery is a big cause, you know, like Holocaust or, I mean, slavery, it is common. But in France, when you want to make a movie, you send a file to au Centre National de Cinématographie, because every film, every movie is paid par avance sur recette. It means we give you the money before. In advance, and it represents generally 90% of the budget. But that's the power of the Sayanim. Again, who was the president of the Conseil National de la Cinématographie? A great Sayan, Bernard Henri Lévy. Bernard Henri Lévy, naturally. I don't know what the hell he was doing over there. I mean, no, but that's the work of the Sayanim. They have to place their agents everywhere. So he said, no way. His guy won't receive. So he couldn't make this movie. In 2003, he was invited in a talk show. And he imagined, why not make a sketch, a funny sketch about a Zionist settler. Vous déconnez avec Mohamed VI, hein? Ça m'arrive de temps en temps. Oui. Il est très drôle. Hein. Mais ça, on le sait pas. C'est vrai. Vous êtes plutôt groupé ou bouffon du roi? Les deux. Les deux. Alors, c'est pas le roi du Maroc qui est venu là, mais on a un camarade à vous qui est venu dire qu'il fallait vraiment pas vous inviter. Il voulait vous le dire en face, mais il s'est quand même mis une cagoule parce que il hésitait. Monsieur Fauziel, vous avez invité sur votre plateau l'humoriste musulman Jamel Debbouze. Bravo, de mieux en mieux, le service public. À l'heure où le terrorisme, monsieur international, menace nos femmes et nos enfants, vous trouvez judicieux d'offrir la parole à ce moudjahidine du rire.
dangereux agitateur. Hein? Ah, c'est reconnu. Attends, laisse. Certainement à coquiner au milieu d'intégristes, enfin j'en parle. Qui vous dit qu'il ne cache pas sous son blouson je ne sais quelle bombe artisanale? Imaginez qu'il se fasse sauter en direct. La présence de Jamel Debbouze sur ce plateau est une provocation insupportable. Un acte antisémite auquel il vous faudra répondre, monsieur Fogiel. Je me suis récemment reconverti au fondamentalisme sionisme, enfin bon, pour des raisons qui me sont purement professionnelles, enfin spirituelles. J'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi, rejoignez l'axe du bien, hein, l'axe américano-sioniste. C'est un peu une improvisation peut-être, non? Attends. When you look at the sketch at that time, everybody was laughing. So it was kind of his last big TV appearance? Until now the scandal started and all the... No, the scandal started why? Because the Zionists said, "Ola, you're going too far. It's impossible in France to criticize Israel or the Zionists. It's impossible." So Dieudonné, his problems began at that time in which way? The sketch was passed on TV, was scheduled on TV in the weekend. The next Wednesday, he had to do a show in Lyon 4 days later. The show was cancelled. That's the work of the Zionim. The Zionim has the power to cancel a show in Lyon in 4 days. They don't care about money or something. They just cancel the show. Why? They sent a message to Dieudonné. Either you apologize and you say, "I didn't know, I'm sorry. You know, the Jewish people has suffered the Holocaust, mea culpa. Okay, you lost your show in Lyon, but you'll have another one and everything will be all right." The problem is that Dieudonné didn't apologize. That's the problem.